Just alive. You don't make any excuse. I mean, that's what we sign up for when you come to a sport like this. You always know that there is something that stuff like that that could have happened, and I knew that again my old self, and I feel like the guys that was falling wasn't like me falling, like it was a little weird. Nécrologie. Kobe, le fils de Francis Ngannou qui n'avait que 15 mois s'en est allé, le champion du monde s'exprime. Trop tôt pour partir, mais pourtant il est parti. Mon petit garçon, mon compagnon, mon partenaire Kobe était plein de vie et de joie. Maintenant, il est étendu sans vie. J'ai crié son nom encore et encore mais il ne répond pas. J'étais le meilleur de moi-même à ses côtés et maintenant je n'ai plus aucune idée de qui je suis. La vie est tellement injuste qu'elle nous frappe là où ça fait le plus mal. Comment faire face à une telle situation? Comment peut-on vivre avec? S'il vous plaît, aidez-moi si vous avez une idée parce que je ne sais vraiment pas quoi faire et comment gérer cette situation. A déclaré le Predator tout effondré sur ses réseaux sociaux. Francis Ngannou est habitué à supporter des coups pendant ses combats, mais il y a des coups difficiles à supporter même étant le plus fort du monde. Et la perte d'un être qui nous est cher en est un de très douloureux. Que l'âme de Kobe repose en paix et que le Tout-Puissant donne la force à Francis Ngannou ainsi qu'à toute sa famille de surmonter cette épreuve. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de tout ce qui se passe sur le continent.